partager. Abonne-toi. Ça va même très très bien parce que je sais pas si vous l'aurez deviné, on va vous être donné beaucoup d'indices en début de vidéo. On est où aujourd'hui les loulous? À l'hôtel Cap Pirate. À l'hôtel Cap Pirate. Alors c'est plus un hôtel musée sur le thème de la piraterie. Il est juste démentiel, magnifique. Et situe où ce super hôtel en fait? Au Cap d'Agde, dans le sud de la France. Donc nous on habite pas très très loin. On remercie d'ailleurs la direction de nous avoir invités ici. D'ailleurs regardez les super décors. Là, il y a des trésors, il y a un pirate derrière. Je pense qu'on va faire un super beau vlog. Une pièce. Merci. Donc en fait, on a été gentiment invités par la direction pour venir vlogger ici, passer le week-end. Donc on va vous filmer un peu tout ça. On va aussi, il y a un parc aquatique qui est aussi sur le thème des pirates. Oh, le squelette te mange, ah là 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 là. Donc nous, on va vous amener avec nous. On va faire un premier hôtel tour. Ouais. Oui. Et puis après oui. On verra là, peut-être aussi un room tour, plein de choses, je sais pas. Donc voilà, oh, un pirate là. Bonjour pirate. Donc on va voir ce qu'on fait. Donc on leur fait visiter aux copains. Et là, regardez. Oui. Nous aussi on va visiter parce qu'on connaît pas encore l'hôtel. Il hein. y a un vrai pirate. Ah oui, un vrai pirate ici. Bon, on y va, let's go. Oui. Allez, let's go les amis. Let's go. Les amis, là on se trouve devant l'hôtel, voilà. Donc là on est en compagnie de sympathiques pirates. Et d'un papa ici. Coucou papa. Oui, parce qu'on a amené papa avec nous quand même. Hein. Donc là on a des super pirates, super sympathiques qui sont en train de se partager un butin. Voilà. Un petit squelette, il est mal en point lui. Hein. Et puis on continue avec, derrière on a une petite fontaine derrière papa qui est toute mignonnette, franchement elle est trop belle. C'est trop bien fait les amis avec un radeau. Et le pirate, lui aussi, hein, il est resté là longtemps je crois. Hein. Voilà, le super pirate. Qu'est-ce qu'il monte? Un trésor ici. Peut-être un trésor ici. Non? Vous le voyez ou pas? Faut plonger, allez on plonge, à l'abordage. Non, on va pas plonger là, il n'y a pas assez d'eau hein, je pense. Hein. Là, tu te casses on continue ce petit room tour. Alors là, donc voilà, donc là c'est l'entrée. Voilà, une jolie tour, un pirate. Un perroquet, enfin plein de choses, des paniers, encore un papa, des touffes, il y a plein encore de trucs. Un canon. C'est trop. Et il y a Jack Sparrow. Chouette. Et un Jack Sparrow là-haut, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc là on a un Jack Sparrow. Il y a un canon, en fait il y a plein de choses dans cet hôtel à voir. C'est un véritable musée, il est super bien thématisé. Donc on va rentrer à l'intérieur les loulous. Allez, bon, on va à la réception. Allez, je vais tirer. On va à l'accueil. Allez, on va montrer aux copains l'accueil. La réception, elle se trouve ici. Là, il y a même la carte au trésor, regardez. Waouh. Ça, c'est la carte. Allez, ce week-end, votre but, c'est de trouver le trésor. Hein. Il est là. Il y a une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Un serpent géant. Un bateau, un serpent géant. Regardez, il y a le chemin, là. Ici, il y a le crâne. Le crâne en pierre, et là il y a un trésor. Un petit poisson, il y a donc voilà. Donc vous avez tout pour trouver normalement, logiquement, le trésor, vous avez tout le week-end. Hein. Ouais. On a les courriers et tout. Avant de chercher le trésor, on vous a dit qu'on vous amenait à l'accueil, donc on y va tout de suite. Voici l'accueil, les amis. Donc c'est juste extraordinaire le thème. Il est jusqu'au bout, regardez là-bas. Un petit singe. Oh, squelette. Ah là 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 là. Regardez un peu ce sens du détail, jusqu'au lustrin quand même. Et là, regardez sur les étagères, juste des merveilles. Alors je sais pas
si vous avez déjà vu ça un jour, mais moi jamais, et je trouve ça trop original. Oh là là, mon dieu, est-ce que c'est un mauvais poisson? Et là, regardez un peu, ce pirate, il fait juste un petit peu peur, juste un peu, hein. Enfin, même très peur, on va dire. Ouais, c'est pas très rassurant tout ça. Hein. Vous croyez qu'on va dormir là? Je suis pas si sûre. Hein. En tous les cas, c'est magnifique. Le petit trône. Petit, hein, minuscule, dit-on. Et là, derrière, un énorme salon. Alors ça, c'est pour nous accueillir. Quand on prend notre chambre, en fait, on est accueilli ici avec un petit thé. Voilà, là, c'est un peu le accueil-tour, on va dire. On va appeler ça comme ça, un accueil-tour. Et puis là, une dame pirate. Voilà, il y a même des pirates qui travaillent ici. Bon, ben, on va continuer avec la suite. On va se retrouver dans le reste de l'hôtel. Et je vous amène avec nous. L'accueil, ben voici ce qu'on trouve. On trouve des couloirs qui nous mènent aux chambres. Donc, vous voyez, tout est thématisé. C'est magnifique. On se croirait vraiment chez les pirates. Hein. Se perdre là. Oh, il y a le parc aquatique. Et là, ah, le parc aquatique. Ah ouais, c'est là-bas, mais ça on vous fera notre vlog dessus, hein. Oui. D'accord. Oui. Parce qu'on va aller se baigner, bien sûr, il fait beau. On va voir le couloir. Allez, on va voir le couloir. Il y a des portes, 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 des. Alors là, en fait, les amis, nous avons plein d'indications, mais c'est sur les murs, en fait. Des choses, en fait, qui nous expliquent la vie des pirates, mais vraiment des choses vraies, quoi. Donc, c'est vraiment un musée qui nous apprend plein de choses. Donc, à 7 ans, je peux être un pirate? Et oui, apparemment, les pirates, ils étaient recrutés à l'âge de 7 ans. On a lu ça sur un papier. Donc, Océane, dans un an, ça y est, tu peux être pirate. Non. Corentin, toi, t'es déjà un moussaillon, ça y est, toi, t'as 8 ans, ça y est. On continue? En fait, trop beau, hein. j'ai un faux pistolet en plastique et c'est le même que les pirates. Mais tout à fait, tu as un vrai faux pistolet en fait de pirate, c'est ça? Mais super. Alors là, bah, on va peut-être voir là-bas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Ouais, moi j'ai peur, moi je rentre pas là, moi. Ouh, ça fait noir. Là, il y a un squelette. Ah, il y a les pirates. Je crois qu'elle a eu peur. Elle a eu peur. Regardez, il est le pirate, il est là, le pirate. Il est là, il est là. Regardez les amis, il est là. Il est en train de surveiller le parc, attention. Non, il va marcher et en fait il va marcher dans le vide. Donc il tombe de moi ou pas? Eh mais il va tomber, il est ivre. Mais attention le pirate, tu vas tomber. Je croyais qu'il surveillait, mais non, en fait il a tout vu, son rhum, et du coup maintenant il va tomber par la fenêtre. Attention pirate, attention. Et là-bas, là, nous avons le restaurant. Ah ça, c'est il y a un menu là. Il y a un menu? Tu sais lire? Non. Voilà. Nous sommes dans le restaurant et nous enferme. Je viens de trouver un terme, un restaurant tout, voilà. Donc avant qu'il ouvre, bah, je vous montre un peu à quoi il ressemble. Bon là forcément, c'est un peu vide, mais vous allez voir, ce sera bien rempli. On va revenir quand ce sera bien rempli.
Mais je peux vous assurer qu'il y a des bonnes choses à manger ici. Donc là voilà, c'est super chouette, super chouette. Et puis là on a vu sur le grand parc aquatique là-bas, vous le voyez, sur le thème des pirates. Voilà, bien, tout va ensemble en fait. Et il faut savoir que si vous ne voulez pas séjourner à l'hôtel, vous pouvez aussi très bien aller juste en fait au parc aquatique, c'est pas obligatoire. Mais quand vous avez en fait une chambre à l'hôtel pirate, et bien vous pouvez accéder à ce super parc aquatique. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous dire, parce que ben voilà, il y a peut-être des gens qui sont à côté, qui veulent juste faire un petit tour au parc, et puis voilà, c'est juste la petite info du jour. Donc on continue avec ce restaurant tour pour le coup. Donc voilà, donc là on a le bar au fond. On va y aller d'ailleurs. Nous voici enfin dans la seconde partie du restaurant. Là on est dans le navire. Voilà, on est vraiment dans comme la cabine du capitaine en fait. Et il y a un arbre dans le restaurant. D'accord, ok. Un arbre, un magnifique aquarium. Franchement, il est trop beau. Maman, viens voir la vraie carapace. Il y a quoi, une vraie carapace? Ouh, fais voir. Waouh. Une vraie carapace. Je pensais que c'était elle pas une vraie. Magnifique. Là, magnifique. Que c'est une vraie carapace. Waouh. Oh là là, je sais pas si vous avez déjà vu ça, les amis. Moi, j'avais jamais vu ça. Ah non. Ouais. Moi j'ai déjà vu. Une vraie carapace comme ça. Une vraie carapace comme ça, de grosses tortues comme ça. Tu l'as déjà vu? Mais sur une tortue, je crois. Non. Une tortue, c'est mieux quand même. Non. Sur une tortue, oui. On revient sur notre aquarium après la carapace que vous aurez découvert, les amis. Et là, on trouve qui? On trouve Dory. Il y a un fusil là. Et il y a, oui, un fusil en bois, ouais, tout à fait. Donc là, on a Dory et je crois qu'on a Nemo quelque part. Il est où Nemo? Je l'ai vu. Il est derrière, regardez. Alors dites-nous vous, si vous le voyez ou pas, Nemo. Il est là-bas. Ils sont trop beaux ces poissons. Waouh. L'aquarium, il est magnifique. Ah, on voit papa dedans. Encore un papa, voilà. Regardez, là, il y a des chaises. Oui, mais tout est thématisé, même les chaises en fait. C'est magnifique. On continue avec le bar. Voici donc le lounge bar avec le mât du bateau qui est en train de sombrer en fait dans les habits. Voilà, ça y est. Il a eu des boulets de canon, voilà. Donc là on arrive dans le lounge bar. Ouais. C'est super beau, franchement c'est trop beau. J'adore. Ça y est. Bon ben moi je vais déménager, je vais habiter ici, d'accord? Vous êtes d'accord les enfants? On habite ici? Ouais, non? Oh regarde, papy a la même. Ah non, pas tout à fait. Voilà, le roi, il est là-bas. Il est prêt pour la sieste, Corentin. La reine. Ouais, ça, c'est le bar. Et là, il y a le roi qui est prêt pour sa petite sieste. Bonne nuit, papa. Ouais, mais le bateau, il est en train de couler. Ah, l'assiette, là, oui. Ah oui, bah oui, tant qu'à faire. Bah ouais. Et là, il y a la reine. Et là-bas, il y a la reine. Et là-bas, il y a la reine des bêtises. Et moi, je vais dormir sur mon gros papa. Regardez les amis, ici il y a même les tables. Franchement, tout est thématisé en fait. Tout. Mais il y a des milliers de canapés. Venez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un labyrinthe ici en fait. Waouh, ça c'est le fauteuil. Trop rigolo ça. Eh oui, c'est comme chez papy. Oh, le bar à papy Michel. Oh, mais il est vide celui-là, il est pas comme chez d'ailleurs, papy Michel. D'ailleurs, papy Michel, si tu nous regardes, ben voilà, regarde. On a trouvé le même que toi, mais en mieux. Ah, mais sauf que celui-là, il est vide, celui-là. Sauf que celui-là, ouais, il est vide. C'est pas le même. C'est pas le même. Il y a pas de coca, il y a rien dedans. Ouais. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau? Là, et si tu touches, il y a de l'eau. Ah, bon, bah, faut pas toucher alors. Ouais, moi, j'ai touché. On continue un peu le tour du bar. Alors. Attendez. Là, on a plein de coussins, de canapés, de trucs. En fait, c'est un labyrinthe de canapés, en fait. Je trouve un trésor. Ouh, une sirène, ouh, ouh. Elle est belle cette sirène, ouais. Alors voyez, il y a vraiment plein de canapés partout, c'est vraiment cool. Un trésor, vous savez voir par terre. Même au plafond, il y a plein de choses, il y a le mât qui est cassé. Par la partie arrière, là, il y a le bar, enfin. Parce qu'il y avait des canapés jusqu'à maintenant, beaucoup de canapés. Et voici le bar qui est magnifique. Alors là, c'est qui? C'est Poséidon, je pense, il y a des hippocampes. Il y a des étages. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oh, regarde celui-là, Océane, il a des diamants. Waouh. Océane fait du manège, c'est n'importe quoi. Et là, regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé, moi, le trésor. Ça y est. Il m'a pas fallu tout le week-end pour le trouver. Il est là.
Wow. Ah, c'est chouette. J'en prends un autre. Vite, vite, vite. Avec des dents et des os. Des os et des dents. Ah, moi je veux pas des dents et des os. Bah, c'est comme la lampe. En fait, il y a des trésors partout, les amis. Ils sont tous cachés partout. Oh là là, celui-là il est beau. Ça te va ? Il y a des perles en or. Le voici, le voilà, le dernier trésor. À l'abordage ! À l'abordage ! Ah, il m'a fait peur, le pirate. Ah, bon, on continue l'hôtel tour. Ah, ça, on est parti chercher les coussins et tout. Mais je sens que cette vidéo va devenir du grand n'importe quoi. Ok, bon, on va se retrouver en extérieur ou dans les couloirs, on va voir. Parce qu'il y a plein de choses à vous montrer, les amis. Regardez, il est juste énorme, cet hôtel est magnifique surtout. Moi, j'adore. Franchement, je suis 100% conquise. Regardez les amis, on a trouvé une cachette. C'est un deuxième bar en fait, tout en haut du navire. Là-bas, on voit un pirate. C'est trop chouette. Là-bas, on voit tout le parc aquatique. Et là, on voit tout le parc aquatique. Et là, mais qui est-ce qu'on a là? Mais attention, j'ai une petite tête que je connais. Mais à l'abordage. Ça va, tranquille? Vous êtes bien là? Ouais, les pachas, c'est bon? On est bien là. Chaud un petit peu ici. Il ne manque plus qu'une petite boisson rafraîchissante et puis c'est bon? Qu'est-ce que vous regardez là? La guerre. Ah ouais, il coule le navire, carrément. Ah, c'est chouette. C'est chouette. On a vu sur tout le parc. C'est trop trop chouette.
trouver notre chambre. Ça y est, il faut monter les escaliers. Et après, faut la trouver parce qu'il y a encore plein d'appartes. Hein. Ah bah non, après c'est numéroté. Regardez les amis, comme c'est beau. Regardez, il est Parc aquatique, il est là. Et notre chambre est juste là-bas. La carte. T'as la carte? Ça y est, on est enfin dans notre chambre. On a trouvé notre chambre, elle est juste quoi? Géniale. Elle est géniale et Océane, elle est complètement crevée. Oh bah oui. En fait, faut dire qu'on est allé au parc aquatique, c'était trop bien. On va y retourner d'ailleurs. On va vous faire une petite vidéo sur le parc aquatique. Oui. Bah oui, bien sûr. On va faire quoi aussi? Un petit... Room tour. Un room tour parce que franchement... La chambre est juste géniale, magnifique, trop bien. Ah oui. En fait, ouais, c'est trop, bah en fait, trop bien. J'en fais pas trop, mais en fait, c'est qu'elle est géniale. On va vous laisser. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao. Ciao. Ah bah je crois qu'Océane, au lieu d'aller faire les toboggans, va dormir. Hein. Tu vas dormir? Bonne nuit Océane. Et nous on va y faire du toboggan.